Bonsoir. Selon le temps, mes amours. Bonjour, mes amours. Bonjour, la famille. Bonjour, mes amours. Coucou, mes amours. Coucou, la famille, mes amours. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir à vous tous, mes amours. Bonjour, mes amours. Bonsoir, mes amours. Bonsoir, la famille. Bonsoir toute la famille, bonsoir mes femmes, bonsoir mes amours. Bonjour, bonsoir la famille. Bonjour mes amours, bonsoir mes amours, bonsoir la famille, bonjour, bonjour. Bonjour à vous tous, bonsoir à vous tous mes amours. Toujours, toujours, toujours tranquille, tranquillement. Toujours, toujours, bonjour la famille. Bonjour, bonsoir. Coucou mes amours, coucou la famille. Madimanu Rukweta. Oui, bonjour, vous allez bien la famille. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour mes amours, bonjour la famille. Bonjour mes amours, bonjour la famille. Bonjour tous mes amours, toute la famille. Bonsoir toutes mes amours, toute la famille. Donc, vous avez vu le thème. Tu aimes, tu fais du bien et tu te montres à l'échange. Les gens qui font du bien et ils veulent toujours se montrer. Le thème là, c'est ça mes amours. C'est ça. Ce qui se fait là, ils veulent se montrer partout. Ils veulent qu'ils soient, que c'est eux qu'on reconnaît partout là. Qu'on les connaît mes amours. Donc, c'est eux. Le thème là, c'est pour eux. Le thème là, c'est pour eux, mes amours. Donc, venez. Bonjour. Je ne dure pas, oh, je ne dure pas, mes amours. Bonjour, mes fans et fanatiques, la fanée et fanatiques. Bonjour à vous tous. Bonsoir à vous tous. Bonjour, mes amours. Bonjour, quand même. Je suis contente de vous, mes amours. Merci, merci, merci toujours. Je vous remercie, mes amours. Quand vous me voyez toujours là, je viens devant vous, c'est grâce à vous, mes amours. Je vous remercie toujours. Merci, mes amours. Merci, la famille. Merci bien. Merci. Bonjour, tout le monde. Bonjour, bonjour, mes frères, mes soeurs, mes papas, mes mamans. Bonjour à vous tous. Merci pour le cœur. Donc, sans plus retarder, vous avez vu le thème. Tu fais du bien et tu veux te montrer à les gens. Vous savez, dans nos jours actuellement, ça, c'est plein même. Il y a des gens qui... Il veut toujours se montrer que c'est eux qui sont parfaits. Alors, ce n'est pas ça. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, là, tu veux te montrer. Cela ne dit pas que tu es parfaite. Cela ne dit pas que tu la passes à l'aime. Celui donc que tu la donnes, que tu dépasses de lui, ce n'est pas ça. Vous avez vu? Dieu n'est pas nommé dans le même classe. Les cinq doigts, là, vous avez vu mes cinq doigts, ils ne sont pas les mêmes. Donc, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Donc, quand Dieu te donne quelque chose à toi, il te donne, c'est pour toi. Il te donne, c'est pour toi. Tu peux aider aussi les gens que toi aussi, tu pourras, tu gagnes plus que eux. Tu n'auras aucun malheur dedans. C'est le bonheur que tu gagnes. Tu seras toujours heureux. Dans la vie, quand tu fais, tu dois avoir des baskets. Voilà la première basket. La première basket là, c'est tout ce que tu fais comme mauvaise là. On met dans cette basket-là. Le deuxième basket, voilà. Tout ce qui est fait comme du bien, on met ça à côté, mes amours. Vous avez vu? Donc, le mauvais là, c'est là, à gauche. Ce qui est bien là, est à droite. Donc, quand tu fais du mauvais dans toute ta vie, demain, le bien que tu as fait, c'est le bien là qui va couvrir le mauvais là. Mais en tant que toi tu fais le bien, donc que toi tu fais, tu exposes tes biens là. C'est quoi? Tu fais des biens, il ne faut pas exposer ton bien. C'est Dieu qui va te payer. Celui donc que tu la donnes là, lui ne va pas te payer. Lui va te dire seulement merci. Il va être content. Parce que tu l'as donné aujourd'hui un sac de riz. Il n'avait rien qu'il va manger avec sa famille, avec ses enfants, avec son mari, et bien avec sa femme. Mais tu l'as fait passer ça, un sac de riz que tu l'as donné là. Tu as fait passer ça tout le mois ou bien toutes deux semaines, il va manger ça. Donc, il ne faut pas montrer
Tu viens, tu prends le caméra, tu montres ça. J'ai donné un sac de riz à Fatima. J'ai donné un sac de riz à Fatima. J'ai donné un sac de riz à Bintou. N'importe, tu donnes ça, tu montres ça. Il ne faut pas faire. Ce qui mange là, le chaque don que tu l'as donné, il mange comme ça. Tu auras toujours la récompense de ça. Mais il ne faut pas exposer. Quand tu exposes comme ça, ce n'est pas bon. Quand vous allez faire la famille, vous allez faire quelque chose pour quelqu'un. Cachez-vous, ne vous montrez pas. Dieu même ne veut pas quelqu'un qui se montre comme ça. Dieu ne veut pas ça. Donc, mes amours, c'est plein même, surtout les réseaux sociaux. Les gens voient que les réseaux sociaux sont là pour... je ne sais pas la manière qui se classe, qui se mêle. C'est bien, les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup, ça développe, on a les développements, on voit toujours. Mais les choses pareilles, il faut laisser ça. Il ne faut pas toujours faire. Toi, tu vois ce quelqu'un-là, tu lui donnes 1000 francs. En donnant 1000 francs là, on va te faire ça, tu montres ça, tout le monde va voir ça. Tu quittes là-bas, pauvre maman ou bien pauvre père, tu vas, tu fais quelque chose. Si tu veux faire tes biens, mes amours, faites-vous vos biens. Ne dis pas que l'intéressé va reconnaître pour vous. L'intéressé connaît ou pas connaître, c'est Dieu seulement qui doit vous payer dans ça. C'est Dieu qui va donner le prix de ça. Moi qui parle là, Dieu ne donne pas le prix de ça. C'est Dieu qui vous donnera ça. Mais aujourd'hui, tout le monde, les gens prennent aujourd'hui les réseaux sociaux, je ne sais pas comment. Vraiment. Ils vont, c'est les pauvres parents, c'est les pauvres mamans, ils te donnent quelque chose, ils vont prendre ça, et bien en donnant ça, ils font des vidéos, ils montrent ça. Mon frère, ma soeur, pardon, laissez ça. Nous sommes au 29e siècle. La vie est très courte. Tout ce que tu fais là, ton box de bien de box là, tu vas gagner ça. Parce que nous tous là, nous on va mourir, on est un être humain. On boit de l'eau, donc on connaît ce qui est bon, on connaît ce qui n'est pas bon, mes amours. Donc le box qui est à gauche là, on sait, tout le monde a fait des erreurs. Nous, on est un être humain. Tout le monde a fait des erreurs. Donc les erreurs que tu as fait là, le bien va t'aider pour ça. Il va te couvrir pour ça. Tu auras le bénéfice de ça. Donc, il ne faut pas gâter ton bien pour ne rien. Il faut, quand tu es bien là, il faut être toujours ton bien là. Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, il faut faire ce que tu peux faire. La vie, ce n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas dans le même pied d'égalité. Dis-toi, ce que toi, tu as, ta poche là est long, mais l'autre là, ce qui est dans sa poche, c'est peu. Donc, c'est comme ça la vie. Si vous pouvez aider la famille, les parents, les soeurs, aidez-eux en secret. Même si elle ne pourra pas vous récompenser, mais Dieu va vous récompenser, mes amours. Dieu va vous donner ça. Il va vous donner le résultat de ça. Ne dis pas non, je vais faire. Et puis vous allez imaginer, je l'ai donné l'autre fois 5000 francs, elle n'a pas pu contact. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas regarder ça. Tout ce que tu peux faire, il faut faire. Il faut faire sans te vaniter, sans te montrer. Il faut laisser ça, le pot de montrer là, il faut laisser ça. Tu montres au Facebook, les gens vont regarder. C'est fini. Ils vont regarder c'est quoi maintenant. C'est fini. Donc pour toi, c'est la fierté. Alors, ce n'est pas la fierté ça. Fais quelque chose en cachant, c'est ça. On dit bien, le chien qui se cache là, c'est lui qui est le bon chien. Mais le chien qui se montre là, ce n'est pas un bon chien. Donc mes amours, pardon. Essayez de faire ça, de ne pas vous exposer. Vous pouvez vous exposer à vous-même. Mais si vous pourrez faire quelque chose pour les gens, pardon, oubliez pour ça. Oubliez pour ça. On n'est pas dans le même pied d'égalité. Toi, tu es ministre. L'autre, il est étranger de ça. Donc c'est comme ça, les moyens ne sont pas de même. Ne sont pas de même. Les pauvres mamans aujourd'hui, ils souffrent beaucoup. Ils n'ont pas de l'argent. Il y a certains qui ont perdu leur mari. Combien d'enfants? 4 enfants, 5 enfants. À une seule femme. À elle seule qui fait ça. Fait la maison. Fait tout pour les enfants, pour lui. Donc, quand toi, tu pars comme ça, tu prends ton cadeau là. Tu vas donner à ses parents, à cette pauvre mère comme ça. Quand tu donnes comme ça à cette pauvre mère là, toi, tu n'auras aucun malheur, toujours sur le bonheur que tu vas gagner dans ça. Parce que au moment que tu as envoyé ça, ce jour-là, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. En se couchant la nuit,
Elle se pense demain, je ne sais pas comment sera demain. Elle a peur pour demain, les enfants. Elle a peur pour ça. Donc, toi, tu t'es pensé. Dieu t'a fait donner ça. Va donner à la femme là. Aujourd'hui, pour qu'elle va puisse faire. Toi, tu envoies des tuiles du riz. Tu envoies piment. Tu envoies Maggi. Tu envoies l'argent, tout. Tu dis, c'est pour toi ça. Eh, mon frère, la bénédiction là ne va pas finir. Ne va pas finir. Parce qu'elle était en crise. Tu l'as fait enlever dans cette crise. Elle n'avait pas d'espoir. Elle n'avait pas souci. Mais c'est grâce à toi, il a eu ça. Donc, tu exposes. Tu n'exposes pas. Tu auras le bénéfice de ça. Donc, c'est mieux de te garder ton sens froid là. De laisser comme ça. Il y a des ans, tellement qu'actuellement, la vie là où nous sommes, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les enfants vont crier derrière eux. Ils vont déposer, quand le matin maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont allumer le feu, déposer la marmite sur le feu. Toute la journée là, la marmite pour que les enfants vont comprendre, ça va. Quand toi, tu tombes à ses parents comme ça, tu viens, tu fais un geste pour ses parents. Tu as tout fait, tu as tout gâté. Parce que la bénédiction que toi, tu aurais, bénédiction que toi, tu vas gagner ça. C'est plus. C'est plus. Parce que c'est plein, plein, plein. Il y a des gens aussi, ils vont donner l'argent pour qu'ils vont en dire, vous verrez que vous allez donner comme les pauvres qui n'ont, nos parents qui n'ont pas la moindre comme, ils ne peuvent pas se débrouiller comme ça. Il faut leur donner ça. Et ils vont manger l'argent là encore parce qu'il y a pas, il y a des hommes infidèles actuellement aujourd'hui. Quel que soit tu vas faire, tu auras quand même qui vont te dessus. Donc, si tu veux faire, fais. Fais tout ce qui sera qui t'aider pour que tu vas faire pour les gens. C'est intéressant. Tu n'aurais pas le regret de ça. Il y a plein de ça. Il y a plein de ça. Toujours plein de ça, mes amours. Quand je dis plein de ça, même si on parle comme ça, tu vas partir sur quelqu'un là. Tu vas trouver, surtout, en Afrique même là. Quand tu vas chez quelqu'un, tu vas trouver toujours certaines mamans. Elles sont toujours comme ça. Ils n'ont rien. Tombe sur ça, à elle là. Eh bien, elle est malade. Elle n'a pas d'argent pour aller se soigner. Toi, tu tombes sur ça. Tu donnes l'argent à l'intéressé. Tu as tout fait. Parce que toi, tu es malade. Celui qui te considère, t'aide pour ça. Ha! Tu ne vas pas oublier de l'intéressé là. Tu vas là parce que ça sera un demi-dieu pour toi. Parce qu'il t'a aidé pour la boire. Il n'est pas dit aidé, mais il t'a fait quelque chose quand même. Si elle n'était pas venue quand même pour t'aider, tu es gravement, tes médicaments sont là d'acheter, tu ne peux rien faire. Le maladie s'est aggravé. Même si tu n'as rien, mais si tu as l'espoir là pour quelqu'un, même si le maladie est quoi, mais tu seras soulagé. Donc chez nous là, en Afrique, dans tous nos pays continentaux Afrique là, c'est plein de ça aujourd'hui. Les gens sont malades, ils n'ont pas de moyens. Même le maladie là ne va pas la tuer. Il va la tuer. Pourquoi il va la tuer? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens de soigner. Tu es malade, ce que tu vas manger, tu ne gagnes pas ça aussi. Quand tu vas à l'hôpital, les gens ne vont pas te traiter. On ne va même pas te regarder d'abord. Il faut que tu mettes sur la table. Mais pourquoi on les dépasse, les extérieurs, on les dépasse? Quand tu es malade d'abord, avant tout d'abord, on te prend soin d'abord. On te prend soin. Après maintenant, on en parlera le reste. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Les gens vont mourir comme ça. Mourir comme ça. Ils n'ont pas le moyen. Ils n'ont pas le moyen de manger. Ils n'ont pas le moyen de se traiter. Donc, pardon la famille. Je ne dure pas, c'était juste pour vous dire ce conseil à les gens qui se prennent. Parce que les gens, parce que quand ils se montrent comme ça, je ne comprends pas, ça veut dire qu'il veut être succès ou quoi. Ça, ce n'est pas succès pour ça, mes amours. Le succès, c'est écrit au front. Le succès, celui qui aura le succès, ça, c'est écrit sur ton front. Donc, tu fais ça, tu ne vas pas faire ça. Tu es toujours star, tu es toujours quoi. Donc, il faut faire ce qui pourra toujours te garder demain pour ton bien là. Mais il ne faut pas faire ton bien et tu mets dans l'eau encore. Il faut laisser ça. Laisser de montrer ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Tu montres l'intéressé. Tout le monde entier va voir l'intéressé. Ce qu'il est comme ça, tout le monde voit. Il faut cacher. Pardon, cachez-vous quand vous allez donner quelqu'un à quelqu'un. Il faut être caché. Il ne faut pas faire. Il y a des gens aujourd'hui. Ils t'appellent. Ils vont t'appeler. On te demande,
Tu veux quoi? Vous allez donner le rendez-vous, vous part. Il te fait tout ce qu'il veut. Il te donne là-bas. Après encore, ça fait comme il ne fait rien. Ça n'est comme rien n'est passé. Après, il va. Il va encore là. Ils vont t'appeler. Aujourd'hui, voilà l'argent là. On te donne gratuitement. Toi-même, tu connais une surprise là. On te donne ça gratuitement. Donc, c'est très important comme ça. Continuez à faire comme ça. Vous aurez toujours le bénéfice de ça. Donc, la famille, je vous laisse. Merci beaucoup. C'était juste pour ça. Le petit conseil. Donc, merci beaucoup. Je regarde certaines commentaires, ça va être de vous laisser. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma deuxième page. Donc, ma deuxième page, c'est ça pour le conseil ONG. Là, ça serait toujours pour ça. Le conseil là, ONG, c'est ça pour là-bas. Et nos pauvres parents, donc le deuxième page va gérer ça pour vous, mes amours. Donc, je vous remercie toujours. Quand vous me voyez devant vous, là, c'est grâce à vous, mes amours, grâce à vous, mes femmes. Donc, je vous remercie toujours parce que vous payez vos crédits, vos connexions pour me regarder. Ce n'est pas moi qui vous donne l'argent de venir regarder, mes amours. Donc, je vous encourage toujours, je vous remercie toujours avec l'encouragement que vous me donnez. Merci, la famille. Merci, mes amours.